Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode de ma carrière avec Villarreal. Bon, excusez-moi déjà, je suis un petit peu malade, enfin un petit peu tout, mais rien de grave. Tranquille. En tout cas, j'espère que pour vous ça va les gars. Je vous montre le classement de l'Europa League parce que ce sera là qu'on va jouer notre premier match de cette vidéo. 4 matchs, 4 victoires pour nous, souvenez-vous, hein, c'était super bien déroulé. Pour cette compétition, c'est un petit peu plus difficile en Liga, mais on s'accroche et pour l'instant on est parmi les premières places. Donc voici les derniers résultats qu'on avait fait, notamment cette défaite 2-1 face à l'Espagnol Barcelone, la victoire en Europa League 3-1 face à je sais plus leur nom, je vous avoue, 5-0 face à Elche et ensuite double victoire en international avec l'Italie et du coup, ce match nul 2 buts à 2 face au Betis Séville. Malheureusement, on n'avait pas fini sur la note la plus positive possible. C'est dommage. Pour cette vidéo, du coup, le premier match face à Braga en Europa League. Ensuite, Rayo Vallecano. Ok. On aura également Osasuna, Apoel Nicosie. Donc ça, normalement, ça devrait être notre dernier match d'Europa League. Et peut-être, même sûrement, qu'on finira face à l'Atlético ou Bilbao. Donc, assez varié, c'est cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo, les gars, avant qu'on attaque le premier match. À vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on va y aller, on va juste continuer déjà. Pas besoin de s'entraîner. On va voir les informations. Ok, ça on l'avait vu, leur offre à Leverkusen, 79 millions. Real Madrid qui ont perdu 2-1 face à United, ok. Et du coup, rien de fou, mis à part moi qui refuse des transferts. On est parti face à Braga. Braga, au final, ils sont pas deuxième. C'est Esquesterm, deuxième. Franchement, c'est surprenant. Bon, après, ils sont à égalité. Nous, pour l'instant, ça devrait le faire. Je pense qu'on va sortir un petit peu avant les gars si ça se passe bien pour qu'on puisse reprendre de l'énergie qu'on va avoir énormément besoin dans les prochains matchs. Et du coup, ça maxima titulaire, ok. Ok, on est parti pour ce premier match. J'espère qu'on va attaquer directement sur une note positive pour pouvoir être dans le bain. Ça fait quelques jours que j'ai pu tourner, donc faut que je sois chaud, pardon. 4 buts dans les 3 derniers matchs pour moi, même s'ils m'ont pas montré à moi à l'écran. Hop. Allez, la chanson, on la connaît, on est parti. Pourquoi pas sur corner? Non, ce sera pas sur ma tête, mais ça passe quand même. Incroyable, comme quoi leur technique du premier poteau qui est pas passée pendant 28 épisodes à toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, elle passe enfin. Incroyable la tête qu'il a mis là. On va se la revoir. Je pensais qu'il allait me la mettre vu que je l'ai demandé, mais du coup, il avait vu juste en la mettant premier poteau. Et le petit rebond en fait qui déstabilise le gardien. Bien joué les gars, écoutez. Et attention, encore l'attaque pour Braga. Mais quel arrêt du gardien. Ou attention, encore dans le trou. Et cette fois-ci c'est dedans. Logiquement, au bout de là, je sais pas combien d'occasions, on encaisse ce but. Franchement, on fout rien en attaque. Mis à part le but, on perd beaucoup de ballons, surtout moi. Après, j'ai pas les meilleures passes possibles, mais je dois faire mieux. Eux, c'est ce qu'ils font mieux. Ils égalisent. Attention. Dans le trou. On parlait d'occasion. Je vais en avoir une là. Et c'est dedans. Incroyable. Le poteau rentrant, il me semble. 2 minutes après leur but. Enfin, on se réveille. J'ai dit qu'il manquait d'occasion. Surtout moi. Et là, j'arrive à faire mieux. Et voilà ce que ça donne quand c'est mieux. Ces buts. Ça fait plaisir. Hein. Bon, là, il me la met très très bien avec mon déplacement qui m'a permis de bien me mettre dans le sens du but, 2/3. Et là, le poteau entrant, il est magnifique. Belle frappe. Je pensais qu'elle allait sortir, je vais pas vous mentir. Au final, elle s'est extériorisée sur la fin. Et elle rentre. Côté. Bien. Ok. La belle combi avec Saint-Maximin. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut me la remettre peut-être? Oui, j'ai l'impression. Je la redécale encore. Putain, ça aurait fait une petite passe D, dommage. Ok. Fin de cette première mi-temps, on s'est réveillé juste après leur but. Là, on a un petit peu plus de possession, je trouve, et
de régularité dans ce qu'on propose. Donc c'est cool. Du côté de la Nicosie, ça perd 1-0 face à SK Sturm, qui est vraiment sa qualification, j'ai l'impression. Et ça risque d'être compliqué pour Braga s'ils perdent face à nous, parce qu'ils auront que 4 points contre 7 pour le SK Sturm. Pourtant, ils dominent hein, niveau tir. Et attention, encore une fois la frappe. Bien joué cette passe. Je peux me l'emmener. Je peux me l'emmener. Je peux me l'emmener. Je peux me l'emmener. Et le doublé. Magnifique. Pas beaucoup d'occasions. Sûrement le deuxième face à face pour moi. Et le deuxième but. Incroyable. Voilà, on calme un petit peu les ardeurs de cette équipe du Braga FC. Incroyable. SC plutôt, je crois. Franchement, je pensais qu'il allait me la prendre, l'arrière, le 4. Au final, il s'est décalé. Donc, merci beaucoup, frérot. La finition, c'est pas la meilleure du monde. Mais elle est dedans, c'est le principal. Et on va pas tarder à sortir, les gars. Oh non. L'attaque du Braga, et c'est dedans. Oh là 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 là. On va sortir sur un but encaissé. Ça me fait un petit peu chier. J'espère qu'on va pas se faire attraper. Parce que vraiment. Ce serait dommage après ce qu'on a fait. Beau but hein, de leur part, il n'y a rien à dire. Je sors. Je vais simuler les gars. J'espère ne pas avoir une mauvaise surprise. Faites-moi rêver. Ok, on a gagné 4-3. Donc ça veut dire qu'ils avaient égalisé. Ouais, 82e. Et heureusement que Jonathan David, le sauveur, arrive à nous faire conserver notre victoire. Et du coup, la pointe Nicosie qui a fait match nul, un partout. Face au SK Sturm. Du coup... On s'en sort très bien dans cette Europa League, on l'a dit. Et on est à 5 matchs et 5 victoires, normalement. On va vérifier ça. Europa League. Ouais, 5 matchs, 5 victoires, 15 points, c'est magnifique. Ce serait cool qu'on finisse avec 18 points. À nous de le mériter. Ce sera face à l'Apoel Nicosie ce match. Mais pour l'instant, la Liga, on va déjà simuler. Ouais, je pense que je vais pouvoir... caler un petit entraînement entre deux histoire de hop on simule seulement deux matchs enfin deux jours de repos et là on va affronter Rayo Vallecano. Pour notre part on est quatrième les gars, juste devant le Barça, un point seulement et à quelques longueurs d'avance de Séville, Real Sociedad et notamment l'Espagnol Barcelone. Ok, alors que Rayo Vallecano ils sont 10e tout pile, ok. C'est parfait. Bah écoutez, on va y aller. Je pense pas qu'il y ait des nouveautés révolutionnaires. Hop. Non. Ok. Allez. Jouer match. C'est le combien de match de la Liga? 15e. Ok, bah on est déjà presque à la moitié de cette compétition. On est titulaire aux côtés de Jonathan David, Saint-Maximin, So, Leimer, Duarte, Pedraza, Cuenca, Aguerd, Vanderson et Vlachodimos. Donc c'est pour ça que je ne le dis pas trop son nom au gardien, les gars. J'essaye de l'éviter parce que assez compliqué à dire. Et une belle équipe du côté de Rayo Vallecano. J'ai l'impression que c'est Oussem Aouar au milieu de terrain. On est parti. Allez, c'est parti pour ce match. Oh, c'est passé. Faut faire gaffe au retrait. Faut faire gaffe au retrait. Attention ce ballon. En retrait encore. Et encore une fois très concentré sur ce genre de ballon. Et encore. Hein, on risque de l'encaisser avant de rentrer au vestiaire. Et ouais. Logique. Complètement logique les gars. On ne fout rien. On les regarde. Voilà ce qu'on fait de cette première mi-temps. C'est tout. Et logique au bout de... comme au match d'avant, tant d'occasions, baisse à marque. Quelle erreur, au lieu de la dégager direct, il tente de la contrôler, dos au but, dans sa surface, à 1 mètre du but, hein, tout simplement. C'est fou. C'est logique. Il va vraiment falloir mettre un réveil, là on n'y est pas. Mais je pense pas que ça va faire comme au match d'avant, on va pas marquer en 2 minutes. J'aimerais que ça me fasse mentir, mais pour l'instant... compliqué, 8 tirs à 0, 64% de possession pour eux, 36% pour nous, c'est hallucinant. Non, encore l'attaque,
Et le deuxième but, c'est catastrophique, les gars. Catastrophique, on n'y arrive pas. Oh là là, mérité pour le Rayo. Mais vraiment, ça me fait chier hein, qu'on n'y soit pas. On était si bon jusque-là, mais c'est ce genre de match qu'il faut pas qu'on perde. Pour l'instant, le championnat s'éloigne. C'est passé. Bien joué. S'il arrive à me la décaler, c'est bien fait. C'est bien fait. La frappe et le bel arrêt. C'est notre première occasion. 73e, c'est quand même fou. J'y suis. S'il arrive à me la décaler, je me l'emmène bien. 2-1, allez, on va chercher ce putain de ballon. 15 minutes de la fin. Petite occasion. C'est dedans. Allez, allez, on y croit. Que c'est bien joué. La reprise de volée, il me la décale super bien. Je me l'emmène en aile de pigeon et la frappe. De revanchard, j'ai envie de dire, qui finit au fond. Oh, c'est terminé, les gars. Défaite 2-1. C'est dommage, hein. Franchement, le visage qu'on a proposé là, c'est pas celui qu'on a proposé jusqu'ici, justement. Donc, c'est bête. Vraiment très, 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 très peu d'occasions, mis à part sur le finish. 3 tirs, c'est horrible de voir ça comme stat. Et on perd donc ce match. Alors que le Barça avait éliminé l'Espagnol de leur viseur, hein, tout simplement. Et nous, on propose ça. Donc, logiquement, on va passer, si je ne m'abuse, 5e exactement. Et c'est mérité. On va s'entraîner parce que on en a besoin. Et on va simuler jusqu'au prochain match. Qui sera face. Ok, Osasuna. Est-ce que ça peut nous redonner des ailes de jouer face au combien? Ils sont combien eux? Au 16e, je sais pas. J'espère vraiment parce que on était sur une belle dynamique, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est ça qui m'embête un peu. On va y aller directement. J'espère que ça va me faire mentir. Et qu'on n'est pas fini. Allez les gars. Ok, c'est parti. Deuxième match de Liga de la vidéo. Sur le côté. Je sais que je peux le faire en vitesse. Je sais que je peux le faire en vitesse. Je vais y aller au premier poteau cette fois-ci. Oh, elle est pas belle du tout. Je la décale. J'essaie de repartir. Je peux pas. Bien joué. Le petit décalage. Oh, le penalty. Oh là 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 là. Le penalty pour nous. J'espère que je m'en charge. Ça me ferait un but. Ou pas. Autant je le loupe. Hein. Mais en vrai, je pense pas que ça va être moi. La belle passe. Et là, ouais. C'est vrai qu'il passe son pied. Devant celui de Jonathan David, ah ben dommage, c'est lui qui va s'en charger, ok, mais le frérot, au moins ça, bien joué, il est très bien tiré, je ne peux qu'apprécier ce beau geste, très bien joué, ouais, bien placé, 1-0 les gars, on est bien, par-dessus, il est pas mal ce ballon pour Jonathan David, ça revient sur Saint-Maximin, j'essaie de l'enrouler, aïe aïe aïe, l'enroulé qui s'enroule pas, c'est du jamais vu. Ok, fin de cette première mi-temps, 1-0 but de Jonathan David sur penalty. On est meilleur qu'avant, bon après c'était pas très compliqué, on va pas se mentir, mais on fait pas assez en fait, je loupe beaucoup devant les cages et c'est dommage. Bien joué, ce beau ballon, encore, encore, oh là 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 là. Oh l'encaisse, j'ai pas cru franchement, je me suis dit... Même pas besoin de la commenter, celle-là, elle arrive dans les gants. Eh ben non. Il se la prend, c'est fou, on retombe dans nos travers. Putain. Eh ouais, mais je l'ai dit qu'on les mettait pas au fond, et après voilà, on s'en mord les doigts quand on voit ce genre d'occasion qu'on se prend. Ouais, ouais, putain. Ça rend fou. Là, j'ai une belle occasion. Je suis passé, je la mets en retrait. Faut finir, pourquoi il me la remet? Pourquoi il me la remet? C'est dedans. Ça, Saint-Maximin. Putain, j'ai pas compris pour la remise. C'était vraiment la dernière des choses à faire. J'étais trop lancé, là. Heureusement que Saint-Maximin est venu et a marqué. Oh là là, ça aurait été vraiment lourd de faire 2 nuls d'affilée. Enfin, 1 nul et 1 défaite, plutôt. Là, on s'en sort bien. Je la remets. Et après, la main Saint-Maximin, ok. Heureusement. Bien joué. 2-1. Oh, par-dessus. Oh, par-dessus, ça risque de faire mal. Oh, on l'encaisse, c'est pas possible. Oh non, mais non. Ah, faut vraiment que j'arrête de parler trop vite. Putain.
Ah, c'est dingue l'action qu'ils ont fait là, c'est digne du 11 de légende. C'est fou. Putain, on va revoir parce que vraiment ça. Déjà, je comprends pas comment on peut pas tous être en défense. Et après, ce qui se prend le gardien. C'est fou. Par-dessus lui. Bon, c'est bon, les 15 angles de vue, tout ça pour qu'on voie pas bien jouer ça, FIFA. Et c'est fini. 2 buts à 2. Vraiment, les gars, c'est déconcertant. On va jamais gagner un titre de championnat si ça continue comme ça. Oh là là. Bon, j'ai rien foutu, attention, moi le premier. Mais je suis pas aidé, hein. Je suis pas aidé. Je pense qu'on va passer au minimum 7ème là, avec ce match nul. On a ce dernier match d'Europa League. Pareil, je vais pas jouer longtemps. Ça sert à rien. On va regarder combien on est en Liga quand même. Alors. Ouais, 6ème, 28 points. Franchement, encore, on n'est pas si loin que ça. Je pensais que ça allait être pire. Après, il y a quand même le Barça qui a un match de retard. Mais bon, on se fait rattraper par tout le monde alors qu'on était premier ex aequo en début de saison. Ok, bon, on va y aller pour ce match face à l'APOEL Nicosie. Je vais d'abord refuser cette offre de Southampton. Hop. Je pense que niveau info, de toute façon, on n'a pas grand-chose. Donc on y va. Pareil, je vais pas jouer longtemps, les gars, comme je l'ai dit. Le beau tifo. Allez. Je peux y aller. Je me bats bien. Je me bats bien, Saint-Maximin. Tu peux la finir. Bien joué. Bon, ça n'a pas compté comme une passe D. Pourtant, putain, je m'y suis donné là-dessus. À cœur joie. En le faisant tomber. Après, la grosse frappe de Saint-Maximin. Ok, donc il a fait une frappe puissante. 123 km/h. Ah ben, putain. Il a envoyé une Porsche dans ce but. Allez, j'y vais. Pour mon face-à-face. Pour mon face-à-face. Pour mon face-à-face. Et c'est dedans. Quel tir pourri pourtant. Et on arrive quand même à marquer. Oula. Qu'est-ce qu'il a, mon joueur? Doucement. Je sais que t'as fin de but, mais bon. Fallait toutes les mettre. Hein, tant pis pour toi. Ok, c'est dedans. Bon. Derrière pour Jonathan David. Qui va peut-être revenir. Ok, il me la met. La frappe en extérieur. Et quel arrêt. Ok. Fin de cette première période. 1-0. J'essayais un petit peu de la conserver. Pour trouver une faille. Il n'y en a pas eu. Dommage. Ben on est très très bien. Et ça faisait longtemps. À part en Europa League, en fait. Enfin, en Europa League, il n'y a rien à dire. Mais par contre, dans les autres compétitions, c'est plus compliqué, on dirait. Et c'est dommage. Ok, les gars. On sort là-dessus. J'ai demandé le changement assez tôt, au moins. Je peux vous faire profiter, pardon, de deux rencontres de Liga. Parce que là, il n'y a vraiment plus rien à jouer. On risque de gagner, normalement. Voilà, 3-1. But de Wai. Ok. Et Braga qui s'est imposé. Donc on va voir comment ça a fini en Europa League, ce classement. Donc nous, on est premier avec 18 points. Ça, je vous apprends rien. Hop. On va voir ça, Europa League. Voilà, donc nous, c'est parfait notre parcours. 19 buts pour 5 encaissés. Et c'est donc Braga au final qui se qualifie. Bien joué à eux. On verra un petit peu sur qui on est tombé. Là, on va se concentrer sur l'Atlético. Mais d'abord, un petit entraînement. Ça fait pas de mal. On a bientôt des points de compétence. Ok. On va simuler encore une offre. Cette fois-ci, c'est la Roma qui nous demande. Et c'est la Roma qu'on refuse. Voilà. Ensuite, continuer jusqu'au match. Putain, 60 millions, ils avaient proposé. Et du coup, on est septième avec des matchs de retard sur pas mal d'adversaires. Ok. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Rien de spécial. On va y aller face à l'Atlético. L'avant-dernier match, je pense, de cette vidéo. Une très grosse équipe de leur côté avec João Félix, Di Lorenzo, Bastoni, Kalulu au bloc, Sanchez, Fernandes, Mendes, Traoré. Ouais, il y a du monde. Rien de très
Changeant de notre côté, par contre, mis à part Saint-Maximin sur le banc. Donc on est parti les gars, j'ai vraiment envie qu'on gagne ces deux derniers matchs de Liga pour pouvoir repartir sur de très bonnes bases lors du prochain épisode, tout simplement. Allez, en retrait ce premier ballon déjà et on encaisse, João Félix, putain. C'est pas vrai. Pah. Oh là là, première occasion. Bon, on va passer, faut se remettre direct dans le rythme. Super bien joué. Super bien joué. Je tente de l'enrouler. Quel arrêt. Pah, ça rend fou, les gars. Je vous jure, ça rend fou. On n'a pas d'occasion, en fait. On n'en a pas. On doit en avoir deux par mi-temps maximum à chaque fois. C'est pas possible de marquer comme ça. Comment tu veux jouer parmi les premiers en faisant ça? Ils ont mis un but direct, mais vraiment, ils peuvent en remettre. Hein. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y arrive pas dans cette compétition. J'y vais. J'y vais. La frappe lointaine. Mais quel arrêt. J'ai voulu la jouer en solitaire. Je suis passé entre tous. Je suis passé. Fin du match, les gars. C'est honteux. Honteux ce qu'on fait. Je mets un ballon et il perd direct, le mec. Voilà le résumé du match pour nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si j'ai pas de ballon? Enfin, je les ai, hein, mais bon. Les coéquipiers le perdent. C'est fou. Trois tirs. Trois tirs. J'ai fait les trois, je crois. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. On va faire un dernier match, hein, parce que franchement, je finis pas sur 100. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Huitième, on est. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'en peux plus des offres de transfert aussi. C'est bon, non. Sérieux. Ça rend fou, je vous jure. On va jouer Bilbao. 26 points, ils doivent être juste derrière nous, j'imagine. Non, même pas. Putain, l'Atlético sont derrière nous. C'est ça le pire. Hein. C'est ça le pire dans cette affaire. Et Bilbao, 11e, ok. Oh là là. Alors, on va y aller directement. De toute façon, ça a rien de parler, comme je l'ai dit. Il vaut mieux jouer. Mais pour l'instant, on ne joue même pas. Donc, ça va être dur. Première occasion, est-ce qu'on va se le prendre? Putain, ça change de d'habitude. On perdrait déjà normalement. Je la décale. Allez, mais là, je t'en supplie. Oh, c'est fou. Je l'ai. Je l'ai. La frappe à rater. Enfin, on en met un. C'est pas possible. 19e minute. Je crois que c'est mon premier but en Liga de cette vidéo. Il a fallu aller le chercher. Hein. Vraiment, je me suis concentré pour la finition. C'est fou. Oh non. D'un zéro, les gars. Un but pour moi, mais. Qu'est-ce que c'est pauvre en jeu. Qu'est-ce que c'est pauvre en jeu. 8 tirs, hein. C'est sûr que c'est notre corps, mais bon, c'est pas les meilleurs tirs du monde. Pas. Ah, on va le prendre. Hein. On va le prendre si on continue à jouer comme ça, comme des pitres. Et voilà. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit il y a 2 secondes qu'on allait le prendre. Je pensais qu'on allait avoir une contre-attaque, mais. Je pensais qu'on était une équipe de foot en fait, mais non. Pas du tout. Regardez-moi ça. Ils sont trois dessus, il n'y en a pas un qui a sauté. C'est quand même fou. Oh là 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 là, on va pas en gagner, on va. Allez. Allez. Je l'ai pris en vitesse, c'est à moi. C'est à moi. Oh non. Oh, il m'a tenu. Carton rouge, mais bon. Ah, oh, ça fait chier. Alors oh, j'espère que je le tire. Ah, oh, je suis dégoûté, les gars. J'allais la mettre à rater à droite. Ça serait passé, je pense. Mais c'est même pas moi. Vas-y, je lui demande de tirer. Mais là, s'il te plaît. Mais là! Bien joué, Coco. Incroyable, au final. C'est tout bon pour nous. Carton rouge. Action. Coup franc. But. Bon, c'est bon. Ils m'ont gardé avec leur caméra sous tous les angles. Allez dedans, Vanderson. Bien joué. Oh non, mais non! Et pourquoi à chaque fois qu'on met le second but qui nous propulse vers la victoire, on se prend une contre-attaque de Jones de légende en fait, encore une fois. Hein. C'est un truc de fou.
Nakamura, regardez-moi ça. La volée, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bien joué. La belle passe. La belle passe. Il faut que je la mette. Oui. Bien joué la passe qui a tout fait. Franchement, j'ai pas cru. Neomar, quel match de folie au final. Tout le monde est content. C'est pas fini. On va pas se faire avoir deux fois. Il faut qu'on continue jusqu'à la fin. Mais quelle passe. Le 31, il était perdu. Et grâce à ma vitesse. Et après, un beau tir. On marque ce but. Incroyable. C'est passé, heureusement. Allez, 3-2. Je me mets dans les cages, je n'hésite pas. Ok, gardien, super. Il en aura fallu hein, pour gagner un match en Liga BBVA. Santander, ce que vous voulez, toutes les banques de l'univers. Mais putain, c'est fou. Doublé pour moi. Et un but sur coup franc que j'ai provoqué. Ainsi qu'un carton rouge provoqué. Petit tir à 10. Putain, il aura fallu attendre le 6e match, je crois, ou 7e de la vidéo, pour gagner un match. Ok, et du coup, on finit la vidéo en étant 6e, à 1 point de l'Espagnol, et par contre à beaucoup plus de points du Real, de la Real Sociedad, du Barça et de Séville. C'est pas fini, hein. Attention, ça je dis pas le contraire, il n'y a que 9 points, enfin que c'est déjà énorme. Mais si on continue à en perdre 3 sur 4, on va vite dire adieu au titre, ça c'est sûr et certain. Voilà les gars, on va juste regarder le classement des meilleurs buteurs, passeurs, etc. etc. pour vous voyez un petit peu où on en est. En Liga BBVA, on est 10e avec 8 buts en 14 matchs, donc pendant longtemps j'ai plus marqué. En passe décisive, on est à 3 passes D en 14 matchs, 15e, ok. Et en Europa League, on est en termes de passes décisives, on n'y est même pas. Bon, on doit être vers le bas et encore, je sais même pas. Et en meilleur buteur, où sommes-nous? Hop, meilleur buteur, on n'y est pas. Ah ouais. Ok, je pensais qu'on y était. Bah, j'ai dû marquer, non? En Europa League, bon, pas plus de 6 buts apparemment. Putain. Ça fait déjà beaucoup de buts hein, pour les autres concurrents. Bien joué à eux. En tout cas, on va s'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.